Congo Nord TV, Congo Nord TV, Congo Nord TV, Blocus. Donc, minga ko lobeza te kwa, bozo comprendre kaka, yoke loko yo. Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV, reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information. Koloyo okito mata Congo Nord TV. Donc minga ko lobeza te banakini banapoto au roi David, l'homme qui a tué Goliath. Donc je vais expliquer binomi koloyo blagite Congo Nord TV et ça na biso na kati na biso Congo mobimba Afrique mobimba blocus. Excusez-vous, vous pouvez laisser un peu d'espace. Ok. Bon. Oui, bonjour. Aujourd'hui, en fait, c'est notre mariage avec ma femme. Elle s'appelle Mireille Foutineng. Moi, c'est Ginga Baley. Ça fait presque 28 ans qu'on est ensemble. Depuis qu'il s'est installé ici en Europe, ça fait presque 28 ans. Donc, on a préféré avec moi et avec ma femme pour honorer notre amour. C'est pour cela aujourd'hui on est là, pour se préparer pour aller à l'église.
pour se présenter devant les Gaudois, devant les amis de toute la famille ici. Et merci à la communauté, l'église de Béré et l'église des pasteurs Gilles aussi. Et merci à toute la famille. Donc voilà. Et merci à tous les Ngiaba dans le monde. Et surtout, merci à Fisson Saïlov et Chéria Bangiaba à Nakisasa aussi. Merci à tout le monde. Voilà, on est ensemble. Mbote na babi paimanso bino bozali lelo to yeli bino basango ndenge kaka to mesana ko yela bino nazalia wa nande konanga Blaise na rotuna ye mwa mituna Blaise a lobara français menga na rotuna ye pourquoi to zane siko bonjour Blaise. Bonjour. Pourquoi on est aujourd'hui ici dans cet hôtel bébé à Lyon? Le mariage de mes parents. Très content pour eux, d'ailleurs félicitations parce que c'est le mariage de mes parents. Ben voilà, donc vous avez suivi, c'est Blaise, il y a ses parents qui vont se marier aujourd'hui, c'est pour ça ils ont invité beaucoup du monde et Blaise est là pour vous expliquer un peu, voilà, pour cette manifestation d'aujourd'hui. Bon Blaise, tu trouves l'ambiance comment, depuis que ça a commencé jusqu'à présent? Elle est très viviale, elle est joyeuse. Il y a la famille, il y a beaucoup d'amis, on en a parlé depuis longtemps. On a tous grandi, ça fait plaisir de revoir certaines personnes. Et ça fait surtout plaisir de voir des parents heureux. Merci, merci Blaise, nous sommes contents, vous avez entendu. C'est Blaise qui vous a expliqué. Donc il y a toujours une surprise. Voilà, donc on va quitter l'hôtel pour aller à l'église. Après, ça sera pour la salle. Vous allez voir l'ambiance qui sera dans la salle et dans l'église. Donc, restez toujours connectés. Nous sommes toujours avec vous. Merci. Merci. Bonjour les filles. Bonjour. Et on est là pour quoi? On est là pour le mariage de maman Mireille et de papa Guy. C'est un jour spécial que nous allons célébrer. Hein. Ben là, je vous vois tous habillés en panne. Pourquoi? On a des fûts d'honneur et là, on va à l'église. Pour honorer cette journée. Ben voilà, donc il y a une grande ambiance en fait. Il y a une très très grande ambiance. Ce soir, ça va chauffer. Il faut que ça fête. On va bien s'amuser. Donc on va bien ambiancer le mariage. Ils sont aux athées aussi, c'est bon. Oh, donc personne ne manque quoi. Il y a du show ce soir. Donc restez toujours connectés sur notre chaîne Congo Nord TV. Toujours. Merci. Voilà 15 ans. Oh, ma casse, nous avons des bonnes sur ma casse. Merci. Tu vois, mon tabou, ta tête. Vraiment. C'est moi, c'est là, j'ai dit. Et tu sais, maman. Et comment t'es? Comment on dit? Et tu finis de. Oh, touchez les jupes. Tata. Papa, tu es là. Hein? Tu es là.
Caméraman, hey, on filme caca mama. On photo ça. C'est bon. Pousse là, pousse là. C'est là, pardon. Bon, peut s'en aller moins minutes, mon pied. Vite, 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 Thank you.
Thank you.
il n'a pas trouvé, la Bible dit ceci, il n'a pas trouvé d'aide semblable. L'homme n'a pas trouvé d'aide semblable. Mais pour que l'homme puisse trouver son aide semblable, Dieu a amené l'homme dans un profond sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Oh,
mariage civil à partir du pays. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Donc je vais appeler les couples qui viennent ici devant et nous allons procéder à la bénédiction. Si vous pouvez d'abord enlever le tabouret là, j'aurai besoin de ça après, vous le mettre à côté s'il vous plaît. Cette responsabilité, cette autorité de pouvoir.
pouvoir célébrer ce mariage. Et je vais vous poser juste deux questions. Donc, une question à chacune, et puis tout sera fini. Je vais commencer à tout seigneur, tout honneur. Il y a ma fille à côté, donc je vais commencer par elle. Maman Mireille, ici devant ta famille, devant tous les hommes de Dieu qui sont ici présents, es-tu prêt et surtout acceptes-tu de prendre Papa Guy comme ton époux, pour ton époux, pardon, pour l'aimer, le chérir, le protéger jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Oui, je l'aime. Je sais. J'ai pris beaucoup de temps avec toi, je discute avec toi. Je sais que tu es un homme sérieux, logique. Et je n'ai pas peur pour ma fille. Mais je veux quand même me permettre de te poser cette question. Est-ce que tu avais fait des pompages avant de. Non? Il n'y a pas de souci. Des pompes, hein? Parce que ça demande. Voilà. Papa Guy. Tes amis, devant l'église, devant ton pasteur, devant toute l'église. Je crois que le foyer est plus concentré que la soeur. Es-tu prêt de prendre ma soeur Mireille pour femme, l'aimer, la chérir, la protéger jusqu'à ce que le Seigneur revienne? Oui. Parce que vous êtes loin. Moi, je suis présent. J'ai senti que c'est un oui timide, mais solide, puissant, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais appeler les alliances et je vais appeler les anneaux. Donc, Père Blaise, priez pour les anneaux, pour les alliances. Là, c'est la fille aînée qui apporte. Depuis le premier mariage qui a été célébré en Éden jusqu'à aujourd'hui, nous voyons la continuité et la célébration du mariage. Et quand le ciel et la terre s'unissent, se mettent d'accord pour une seule cause, Père, il y a la bénédiction, il y a ta présence. Et c'est pourquoi nous prions. D'amour qui unit ce couple. Nous prions et nous te prions que tu bénisses ces alliances. Tu le portes, Seigneur, en ayant la conscience de ce lien d'amour qui le signe. Parce qu'ils ont voulu honorer ton nom, comme tu le déclares dans ta parole, que le mariage soit honoré de tous. Et ils ont accompli cette parole. Merci. Bénis ces alliances pour ta gloire. Qu'ils
soient fidèles l'un à l'autre. Jusqu'à ce que toi, les Christ vivants, tu viennes à prendre ton épouse. Au nom de Jésus, nous avons ici. Amen. Alors nous allons passer aux échanges de consentement. Papa Guy, quand
étais comme voilà ta poupée, vieux tu étais dans la fin de commencement. Nous nous sommes connus quand vous êtes encore à l'école. Moi je portais l'uniforme bleu blanc, toi également. On le va qui? On l'a tout la maille aux armes, c'est la maille aux armes. Tu m'avais dit, tu m'avais promis que je serais ta femme pour la vie. Et nous avons donné la peur, c'était la peur de la vie. Moi je disais, je ne vais pas épouser un Mouyanzi, je vais épouser quelqu'un de chez moi. Un Mouyombe, Mouyombe gauche. En grandissant, Dieu nous a fait grâce de nous unir et nous avons nos 4 enfants. Je bénis Dieu pour ça. C'est pourquoi je voudrais confirmer mon amour pour cette alliance. Alléluia, la casse. Se prosterner ou s'agenouiller et je vais prier. Je vais demander donc à l'Église et au peuple de Dieu et aux hommes de Dieu de s'élever pour que nous puissions sceller cette union devant Dieu et devant les hommes, pour que nous puissions être témoins de leur alliance. Est-ce que l'Église peut s'élever? Viendra pas de toi. L'esprit de division et de séparation.
séparation, l'esprit de divorce soit loin de ces couples. Au nom de Jésus. L'esprit de dispute, que leur maison, leur foyer ne soit pas transformé en un ring où ils se donnent des coups, mais que leur foyer soit la maison de prière comme le dit ta parole. Que leur maison soit la maison qui donnera, oh Dieu Tout-Puissant, les coups qui donnera à notre Dieu l'envie aux gens de venir boire, manger, visiter. J'ai béni leur famille, j'ai béni leur foyer, tous les enfants, je les bénis au nom de Jésus. Ils ont déclaré ici, le 2, qu'ils vont garder leur amour jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur Jésus. Seigneur, je lis cette parole au nom de Jésus. Je lis cette parole de Tout-Puissant et je lis leur union maintenant devant les hommes, devant tes serviteurs et devant toi, Père éternel, notre Dieu, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Donc, je déclare ceci par les pouvoirs qui me conférés par le Seigneur. Je vous déclare aujourd'hui mari et femme. Est-ce que vous imaginez un mariage sans bisous? Ah non. Je vais donner des consignes parce qu'après les bisous, après la signature, ça sera le débandade ici. C'est tout ça. Je vais, en fait, on devait le faire après la prédication, on ne l'a pas fait. Je vais faire des consignes. Donc, à la fin, il y aura un stand. Je ne sais pas si c'est déjà fait en bas, où il y a des cocktails et voilà, il y a des amis Anise ou Bush qui seront là en bas. Donc, je demande à l'église de se préparer déjà. Dimanche, nous sommes ici à 15h, le couple sera là. Et donc, je demande à tout le monde de venir. Je ne sais pas où est-ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, si à la fête ici à Lyon, les églises sont vides. Non. Dans quel livre? C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Donc, nous voyons vraiment que, voilà, je ne vais rien dire, mais il n'est pas écrit quelque part comme ça. Donc, dimanche, nous sommes ici à la fête, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, donc, je préparais moi, papa, s'il te plaît, tout ça là. Voilà. Les caméramans, les gens veulent voir derrière. J'avais sous-estimé sa timidité tout à l'heure, mais il m'a surpris. Bon, je crois peut-être qu'ils vont se surprendre. Donc, les photographes, soyez prêts. Les caméramans, soyez prêts. Même ceux qui vont prendre photo avec leur portable, soyez prêts. Je vais bien compter. De 3 jusqu'à 0, papa va faire la bise ou embrasser, je ne sais pas comment on dit, à la maman. Je vais bien compter. On va bien compter ensemble. 3. Non, non, on est là. On y va. Vous êtes pressé. Trop pressé, c'est pas bon. Trop pressé. On décompte. 3, 2. Oh,
Blocus, donc minga ko lobesate quoi, vous comprendre kaka yoke loko yo. Le changement c'est maintenant. Congo Nord TV, reportage, interview, concerts, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme.
pour vous servir de l'information, la vraie information. Koloyo okito mata kongo no TV donc minga ko lobezate bana kini bana poto o roi David l'homme qui a tué Goliath. Je vais vous expliquer binomi koloyo blagite Congo Nord TV et ça na biso na kati na biso Congo mobimba Afrique mobimba blocus.